Tu me parles justement encore de campagne présidentielle. Donc, Éric Zemmour, candidat à l'élection présidentielle ou pas? Est-ce que tu peux nous offrir un scoop aujourd'hui? Moi je vais te répondre. Il est président de Génération Z, le groupe de soutien à la candidature d'Éric Zemmour en 2022, également président de L'Étudiant Libre, le magazine étudiant de la droite conservatrice. Aujourd'hui, Stanislas Rigaud est face aux jeunes. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir dans votre émission. Ma présentation n'est pas exhaustive. Est-ce que tu aurais par exemple un truc à rajouter sur justement ton parcours, sur toi-même? Non, c'était déjà très très bien. Je ne suis plus président de L'Étudiant Libre du coup depuis quelques mois maintenant. Le journal est en train d'être repris par d'autres personnes. Et en effet, ouais, je suis à la tête du mouvement Génération Z, dont on l'a lancé en mars dernier. Au moment des rumeurs sur la potentielle candidature d'Éric Zemmour, on s'est dit pourquoi pas ne pas préparer le terrain en cas de candidature, et donc préparer des structures locales et un mouvement efficace sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est quoi vos actions concrètes, justement, par le biais de Génération Z? Moi, je les différencierai en trois actes, en trois grandes parties. Première partie, c'est le pur militantisme, c'est-à-dire collage, tractage, sticker, enfin voilà, du militantisme de terrain où les mecs, nous, on a 3000 militants maintenant, qui se lèvent le matin pour aller coller, pour aller tracter sur les marchés, pour aller à la rencontre des gens, donc vraiment du pur militantisme, notamment aussi lors des conférences d'Éric Zemmour, aller à la rencontre des gens qui y sont, leur parler, distribuer des... Enfin voilà, vraiment un travail vraiment de terrain très sympa à faire et toujours en plus avec d'autres amis, d'autres camarades du mouvement. Donc il y a vraiment une bonne ambiance qui se met aussi en place à ce moment-là. Le deuxième volet, il est sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui c'est une arme évidemment dont on ne peut se passer pour une élection présidentielle. Les jeunes notamment, enfin on fait une émission pour parler notamment aux jeunes aujourd'hui, mais tout passe par les réseaux sociaux quasiment, plus personne ne s'informe par la presse écrite, en tout cas chez les jeunes. Donc pour nous on a un vrai boulot sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter, Twitch, YouTube, enfin voilà, je vais pas faire la litanie de tous ces réseaux sociaux là, mais il y a un vrai travail à effectuer là-dessus. Et le troisième volet, c'est la partie structuration du mouvement, parce qu'on a un mouvement qui du coup est un nouveau-né en réalité, on s'est lancé il y a très peu de temps, et on n'a pas les structures qu'un autre parti peut avoir, on n'a pas les structures dans de la France Insoumise, des Républicains. Donc nous on a tout un travail en fait à faire sur le terrain pour structurer, pour organiser nos départements de façon efficace. Et donc voilà, c'est ces trois volets-là sur lesquels on prend le plus de temps en ce moment avec Génération Z. Et justement, c'est quoi un militant de Génération Z? C'est de droite? C'est de gauche? C'est des déçus de Marine Le Pen? C'est des déçus de LR? Alors, c'est une question qui revient souvent, et c'est une question à laquelle je réponds toujours la même chose, c'est que c'est quasiment impossible de faire un portrait robot du militant de Génération Z. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a, je dirais, trois grandes catégories de militants à Génération Z. La première, elle est donc des gens qui sont plutôt issus du Rassemblement National, ou alors sympathisants, ou des gens qui votaient Marine Le Pen, ou qui ont voté Jordan Bardella aux élections européennes. Même si, et en plus, à travers ces catégories, il y a évidemment des sous-catégories. Après, il y a la catégorie de gens qui sont plutôt issus de la droite dite les Républicains, Unis... conservatrices. Ouais, plutôt conservatrice, mais on a des gens qui viennent de chez Pécresse, même, donc qui n'est pas forcément une conservatrice. Donc je dirais que c'est la droite LR, en gros de Vauquier à Elisabeth Bertrand Pécresse, donc des gens qui justement en ont assez de ces petites guéguerres d'appareils, qui veulent en fait un discours clair et précis. Donc là, c'est deux parties un peu politiques. Et après, on a une troisième partie qui, pour le coup, elle, est composée d'une masse de gens indéfinissables, en fait, en quelques mots. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont des néo-militants, des primo-militants, des gens qui n'ont jamais fait de politique avant, et qui, en fait, avec la candidature d'Éric Zemmour, se disent « il y a un nouveau discours ». C'est vraiment des abstentionnistes, des gens soit qui sont abstentionnistes, soit qui étaient dégoûtés de la politique, soit qui sont de la droite hors les murs et qui se disaient « bon, ben, on attend une candidature pour parce que Marine Le Pen, ça ne nous convient pas, les LR, ils ont été au pouvoir, on sait ce que ça donne, etc. » Donc là, c'est vraiment le dernier tiers, en fait, mais qui est assez surprenant. Il y a vraiment de profils, pour tout vous dire, quand j'en rencontre certains, je me dis « mais ils votent pas Zemmour, ces gens-là, c'est pas possible. » Et en fait, si, on a beaucoup, beaucoup de gens qui, en fait, et notamment en plus dans des endroits qui pourraient paraître surprenants au vu du discours d'Éric Zemmour, mais des gens qui sont issus du 9-3, on a une sélection dans le 9-3 qui est ultra active. Ils sont 25 dans le 9-3, et en fait, c'est des gens qui sont en plus en général d'origine étrangère ou alors qui sont de confession musulmane, mais qui disent, mais en fait, moi, si tu dis Éric Zemmour, il y a des choses sur lesquelles je suis pas d'accord. En revanche, sur la sécurité, sur la tranquillité. Ben, il a raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans mes quartiers, ma mère, elle peut pas faire ses courses tranquille en paix. Ma sœur, elle peut pas se balader à certaines heures. Et en fait, c'est des gens qui nous rejoignent. Après, ou sinon des gens des périphéries, hein, de la ruralité, qui disent, en fait, on n'est plus écoutés. Et aujourd'hui, la campagne, les agriculteurs sont délaissés. C'est des gens qui ne se sont jamais intéressés à la politique et qui nous rejoignent. Alors, à l'heure où nous tournons cette vidéo, Éric Zemmour n'est toujours pas candidat à l'élection présidentielle, donc il n'y a toujours pas de programme. Justement, si demain, Éric Zemmour lance son programme pour les élections,
et qu'il ne vous convient pas, ou qu'il ne te convient pas à toi, est-ce que tu pourrais justement prendre une autre direction pour Génération Z, ou même te mettre derrière un autre candidat, à droite ou même à l'extrême droite? Bah, je vais essayer de faire une réponse assez honnête, c'est-à-dire que si demain le discours d'Éric Zemmour, enfin son programme, n'avait pas de rapport avec son discours, et qu'il changeait totalement, oui, évidemment, qu'à titre personnel, je serais gêné. Donc ça, c'est la réponse honnête, et inversement, je ne pense pas, vu que je suis à la tête du mouvement, je ne laisserai pas, je ne prendrai pas tout le mouvement avec moi. Si demain, il y avait vraiment une ligne directrice de Zemmour qui ne me correspondait plus, je laisserai le choix à chacun de prendre sa décision, évidemment. En revanche, si on n'est plus terre-à-terre, je ne pense pas qu'Éric Zemmour ait un programme qui ne soit pas en adéquation avec ce que je pense, dans les grandes lignes, ou alors ce que j'attends d'Éric Zemmour. Pourquoi? Parce que, mine de rien, Éric Zemmour, on a souvent tendance à le cantonner à des sujets comme l'immigration, la sécurité, etc. Pour autant, il a écrit des livres sur énormément de sujets, il a fait des émissions sur énormément de sujets, il a débattu et analysé beaucoup de sujets. Alors que vous allez me dire, c'est pas forcément des propositions. C'est vrai, mais avoir au moins un diagnostic avec lequel on est d'accord est déjà une grande, grande porte d'entrée. Et en plus, c'est vrai que cette question-là peut se poser à beaucoup, parce que ni Emmanuel Macron n'a de problème pour le moment, ni les candidats des Républicains, ni Philippot, enfin ni les candidats, en tout cas du plan national, personne n'en a. Donc à la rigueur, moi je suis d'accord avec le diagnostic d'Éric Zemmour à quasiment 95-19%. Donc c'est déjà une bonne perte d'entrée pour le soutenir. Stanislas avec vite mon prénom, ça donne quoi? Alors j'ai pas testé. Moi il me semble, c'est pareil, hein, que je suis autorisé entre guillemets, il me semble, parce que mon prénom est dans le calendrier chrétien et calendrier occidental. Mais non, j'ai pas testé, c'est vrai, c'est un site très drôle. Enfin moi j'ai trouvé ça extrêmement amusant de voir ce site se mettre en place et se répandre sur les réseaux sociaux. Donc vous êtes pour, vous à Génération Z, vous êtes pour ce genre d'initiative comme peut faire par exemple la France Insoumise avec le Discord Insoumis, Fiscal Combat, je sais pas si tu te rappelles, pendant la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Alors, ce genre d'initiative qui permet un peu de rendre plus ludique les propositions d'un candidat, ça peut justement te. Alors attention, sur le site Vide Mon Prénom, ce n'est pas du tout les équipes d'Éric Zemmour qui l'ont lancé. Oui, non, mais évidemment. Mais ce après, genre d'initiative qui pourrait justement être potentiellement lancée par Génération Z par exemple. On pourrait lancer des trucs amusants, évidemment. C'est, en plus, l'un des buts des réseaux sociaux, c'est d'avoir un discours simplifié, pas simpliste, mais simplifié, pour parler au plus de monde possible. Après, dans le cas échéant, c'est un site parodique qui a été fait. Moi, je le trouve, j'essaie d'avoir le plus d'autodérision possible, et je trouve ça très drôle qu'ils aient fait ça. Voilà, après, maintenant, si on fera des sites comme ça un peu amusants. On a un Discord, nous aussi, de Génération Z. Et voilà, c'est des plateformes sympathiques pour parler, pour discuter de façon un peu plus légère de certains sujets. Alors qu'on soit d'accord, si un site pareil a pu être créé, c'est parce que les propositions d'Éric Zemmour peuvent être parfois un peu clivantes. Est-ce que tu peux comprendre que justement certaines personnes puissent être choquées par ce genre de propositions, certains jeunes notamment, qui peuvent nous regarder aujourd'hui? Est-ce que justement tu peux comprendre ce rejet par une partie des jeunes de ce genre de propositions? Ouais, totalement, moi je peux comprendre que les gens peuvent être heurtés, peuvent être choqués, peuvent être même certains scandalisés par les discours d'Éric Zemmour, par certains discours d'Éric Zemmour. Après moi j'ai envie de leur répondre deux choses. Non seulement il ne faut pas se cantonner pour le coup à ce qui est dit dans un encart d'article ou dans une vidéo qui dure 37 secondes balancée sur Twitter. Moi ce que j'invite les gens à faire c'est à lire, à écouter en profondeur et à s'intéresser réellement aux discours d'Éric Zemmour sur tous les sujets. Et d'ailleurs, je le dis pour être honnête, que chacun le fasse pour tous les candidats qui vont se présenter à l'élection présidentielle. C'est important de le dire parce que si on est caricaturaux, si on est juste dans l'idée de se dire lui c'est droite, donc moi dans ma tête je suis de gauche égale méchant, ou si alors on est de droite et qu'on voit un type de gauche, on dit gauche égale méchant parce que dans ma famille on est de droite, on va pas s'en sortir. Là on a eu une abstention qui a été phénoménale au régional. Pourquoi? Parce que les politiques ont déçu, mais aussi parce que les gens n'ont pas pris la peine de s'intéresser à ce qui se passait. Donc moi ce que je conseille aux gens de faire, en tout cas c'est mon humble avis, mais c'est de au moins prendre le temps de comprendre pourquoi certains propos sont tenus. C'est vrai que sur le sujet par exemple des prénoms, c'est un sujet qui peut être dur à entendre. C'est-à-dire que quand on a un prénom qui entre guillemets ne correspond pas à ce que veut Éric Zemmour, on peut se dire mais c'est qui ce type en fait? Pourquoi il nous dit ça? Mais moi je dirais deux choses donc pour ça. Un, non seulement il ne s'attaque pas nécessairement à la personne, il ne s'attaque pas à la personne qui porte le prénom, il s'attaque en plus au système, au pouvoir en place qui ont refusé, qui ont enlevé les lois qui permettaient aux gens issus de l'immigration ou de pays étrangers de s'assimiler pleinement au pays. Donc il ne s'attaque pas à l'individu. Et évidemment, c'est pas quelqu'un qui s'attaque aux individus, c'est quelqu'un qui fait une politique pour la masse. Et moi, d'ailleurs, c'est ma conception. C'est moi, je fais pas de la politique pathos en prenant une personne et en disant je fais de l'individualisation de la politique. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, surtout, c'est que dans le fond, des pays comme l'Algérie, par exemple,
ne sont pas des pays qui acceptent d'autres prénoms que les prénoms issus de leur culture. Et en fait, pour moi, c'est plutôt une preuve d'amour supplémentaire à la France que l'on donne quand on prend un prénom français. Et je rajouterai un troisième point, pardon. Moi, je ne dis pas que les gens qui n'ont pas un prénom français ne sont pas français, ne peuvent pas être des bons français. Attention, moi, je ne suis pas en train de dire ça. Moi, je suis juste en train de dire que oui, si les gens qui habitaient en France et qui sont à qui la France a offert un mode de vie, à qui la France a offert du travail pour certains, à qui la France a offert une situation plus stable que dans leur pays d'origine, oui, si la condition c'est de s'assimiler pleinement, de prendre les us et coutumes du pays et notamment de prendre, pourquoi pas, un prénom du calendrier, moi, ça ne me choque pas. Et d'ailleurs, je pense que ça ne choquerait pas si on prenait ça en faisant un parallèle avec un pays étranger, en disant, bah écoutez, il y a une famille française qui va habiter au Japon, et au Japon, pour qu'ils deviennent pleinement japonais, ils prennent un prénom à la consonance japonaise. Si on pose la question comme ça, déjà, je pense que ça paraît moins scandaleux aux gens. Mais évidemment, quand on arrive et on dit, Éric Zemmour veut enlever le prénom Mohamed, forcément, on se dit, mais c'est qui ce type, en fait? Mais quand on se pose juste calmement deux secondes, on fait, est-ce que ça vous choque qu'on s'assimile pleinement à la culture d'un pays qui nous offre l'hospitalité? Je pense qu'on doit se poser cette question-là, et après, on peut en débattre. Et puis, je finis, après j'ai dit deux points, mais il y en a 17, pardon, excusez-moi. Mais voilà, et puis surtout le dernier point, c'est que c'est pas l'angle de la campagne. C'est un micro-truc de la campagne. C'est un point important, etc. Mais c'est rien à l'échelle de la campagne et de ce qui nous attend, des sujets, des enjeux majeurs de la campagne présidentielle et surtout de l'avenir de la France. Donc là, vous parlez de campagne présidentielle, ouais. Vous, en général, avec Génération Z, là, tu me parles justement encore de campagne présidentielle. Donc, Éric Zemmour, candidat à l'élection présidentielle ou pas? Est-ce que tu peux nous offrir un scoop aujourd'hui? Eh bien, moi, je vais te répondre, je pense qu'il va se présenter. Je pense que ça fait plus beaucoup de secrets, je pense qu'en effet, il va y aller. Mais je ne peux pas parler à sa place. C'est-à-dire que les choses vont tellement vite, et d'ailleurs, c'est ça qui est, à mon avis, formidable aussi, formidable et vertigineux dans ce monde un peu politico-médiatique, c'est que tout va si vite. Tout va tellement vite, c'est-à-dire que qui aurait imaginé il y a un an et demi qu'on aurait eu le Covid et qu'on aurait été enfermé pendant... Enfin, je dis pas qu'on va avoir un Covid, je dis juste que tout va si vite. Donc moi, je pense, à titre personnel, qu'Éric Zemmour va se présenter. Sinon, un, je ferais pas tout ça, et de deux, ses déclarations récentes laissent quand même à croire que... il est en bonne voie pour prendre ses décisions. Mais je ne peux pas parler à sa place, et surtout, je ne sais pas s'il a pris sa décision, s'il a choisi une date, etc. Qu'est-ce qui lui manque? Éric Zemmour. Pour se présenter. Oui, je comprends. Je sais pas s'il lui manque grand chose. Il a testé, mine de rien, auprès des Français, une part des Français, sa potentielle popularité, son potentiel électoral, que ce soit dans les sondages ou dans les salles qu'il remplit à droite à gauche. C'est-à-dire que là, il a fait Nice-Toulon remplir à bord. Il fait Lille ce week-end remplir à bord. Il fait Michel-Onfray Fraise et Moore, 3500 places remplir à bord. Il y a une attente. Son livre est un best-seller. Il est en train de partir comme des pépins. Et lecteur ne veut pas dire lecteur, évidemment, mais il y a quand même eu une petite attente, et surtout, depuis la rentrée, il est passé de 5% à 13% au maximum. Et grosso modo, ce qu'on comprend des sondages, si on est honnête et qu'on regarde ça à froid, il tourne autour des minimum 10, maximum 13. Donc il doit être à peu près à 11-12 dans les pires scénarios pour lui, ou dans les scénarios à peu près stables. Donc il a testé tout ça. Il a testé de voir si les gens le voulaient, si les gens étaient intéressés potentiellement par sa candidature. Et le fait est que ça semble se dessiner. Donc voilà, je pense qu'il a pris tous ces éléments-là, il a dit, est-ce que je suis attendu? Est-ce que les gens veulent que je me présente? Est-ce que j'ai un potentiel électoral? Est-ce que j'ai des équipes pour ça? Et nous, à Génération Z, à notre petite échelle, on a aussi prouvé avec Zemmour, à mon avis, que s'il y allait, il pouvait avoir déjà 3000 militants sur le terrain, quoi. Et vous allez me dire, 3000 militants, c'est rien à l'échelle de la France, mais il n'y a pas beaucoup de partis aujourd'hui, je vous assure, qui sont en capacité d'avoir réellement 3000 militants actifs, pour un mec qui n'est pas candidat. C'est-à-dire que le jour où il se présente, à mon avis, on a un bond de 2000, très honnêtement. Toi-même, toi, tu fais les plateaux télé, BFM, surtout, TPMP. Surtout VL. Et surtout celui-ci, évidemment. Surtout celui-ci avec toi. Justement, c'est quoi la suite? Pour le Génération Z? Ouais. Eh ben, écoute, nous, ce qu'on attend, bon, c'est qu'il se présente. Et après, quand il se présentera, on sera, on l'espère, son mouvement jeune. C'est-à-dire qu'on sera comme les jeunes républicains, comme les jeunes insoumis, comme les jeunes avec Macron. On sera le mouvement jeune, donc on aura un travail, comme je te disais tout à l'heure, de militantisme pur, d'aide sur les tractages, d'aide sur les réseaux sociaux, d'appui lors des événements d'Éric Zemmour. Alors on aura un boulot très simple en fait de militant, ça prend du temps, ça rassemble temps en temps, mais c'est surtout passionnant. Et puis je le dis aussi d'ailleurs aux auditeurs de VL, je ne vous demande pas forcément, bon, si vous voulez rejoindre Éric Zemmour, rejoignez Éric Zemmour, moi je ne vais pas vous refuser cette chance-là à mon avis, mais engagez-vous pour la campagne. C'est-à-dire qu'on a le droit de critiquer, on a le droit de dire qu'un tel ou un tel c'est une merde, mais à mon avis on a quand même moins de légitimité quand on fait rien et qu'on est devant son ordi. C'est-à-dire que
il y a quand même pléthore de candidats. Personne, aucun candidat ne vous correspondra jamais parfaitement. Aucun, c'est impossible. Enfin, c'est impossible, c'est quasiment impossible. Mais on a des candidats qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite, entre guillemets, des types qui passent des souverainistes, des anti-souverainistes, des libéraux, pas des libéraux. Enfin, il y a tout. Dans les, tous les candidats qui sont annoncés, il y a forcément des gens qui vous correspondent un petit peu. Donc, au moins, prenez le temps de vous engager, de lire les programmes et pourquoi pas d'aller militer. C'est juste que c'est au-delà de ça, au-delà du côté présidentiel, du devoir, à mon avis, qu'on a de servir la France et d'essayer de changer les choses dans le bien et dans la visée du bien commun. Il y a au moins une chose qui est sympa, c'est que le militantisme, c'est un truc marrant. Si vous êtes avec des copains, vous rencontrez des gens, vous partagez des moments que vous ne partagerez nulle part ailleurs. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec des gens, voilà, un collage à 2h30 du matin, ou très tôt, des tractages, des déplacements à droite à gauche pour aller soutenir votre candidat. Enfin, il y a un côté très humain et très sympa, et que de toute façon, je ne sais pas comment se finira l'élection présidentielle. Mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que les présidentielles, je passe des bons moments. C'est stressant, ça peut être fatigant, mais c'est des vrais bons moments. C'est qu'on se retrouve avec des situations incroyable qu'on ne vit que là, et en fait, et c'est là où on se crée des amitiés, on voit des choses sympas. Et d'ailleurs, on dit souvent que le monde politique est un monde de pourris, mais si on veut le changer, il faut aussi être dedans. C'est bien de dire que c'est tous des pourris, mais allons dedans. Allons dedans. Nous, moi, mon but, c'est pas d'avoir un parti à Génération Z, d'apparatchik, de mecs qui pensent qu'à leur poste, qui pensent qu'à être assistant parlementaire dans 6 mois. Non, mon but, c'est qu'on ait un truc structuré avec des idées, des potes, des sections locales où il y a une bonne ambiance, etc. Merci Stanislas. Merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation.